Bon, alors, on fait escale où? C'est quoi la destination? Alors, la destination vraiment vedette de l'été, ce sont les Canaries. On les redécouvre? On les redécouvre complètement. C'est vrai que dans les années 60-70, c'était une destination. Eh bien là, on les redécouvre. 52% d'augmentation de réservation par rapport à l'année dernière, qui affichait déjà une belle santé. Alors, l'archipel comporte 7 îles principales. Je n'ai pas pu les visiter toutes. Donc, je me suis contentée de Fuerteventura, qui, comme son nom l'indique, l'île dans le vent. On y va pour deux raisons à Fuerteventura. D'abord, c'est l'île des surfeurs, des windsurfers, qui d'ailleurs ils organisent les championnats du monde fin juillet. Et puis l'île des tout inclus, c'est-à-dire que quand vous allez à Fuerteventura, il y a énormément d'hôtels clubs, eh bien vous êtes sûr de ne pas dépenser autre chose parce que tout est inclus. Que ce que vous avez payé au départ. Exactement. D'accord. Et puis Lanzarote, oui. C'est l'île volcan, au paysage lunaire, au sable noir. Ouais. Et j'y ai découvert une maison totalement inattendue et insolite, achetée par un certain Omar Sharif qui n'en a pas profité beaucoup. Oh. Vous allez comprendre pourquoi. Seul au monde, ou pas, tout est possible aux Canaries. Passeport espagnol sur des terres d'Afrique détachées du continent. Les premiers habitants de l'île de Fuerteventura sont arrivés d'Afrique du Nord. Ils étaient berbères. On est proche de la côte africaine, seulement à 97 km. Ils sont venus en barque avec des animaux. Des chèvres, des ânes, des chameaux. Ils ont trouvé une île déserte, sans eau. Et puis, ils ont découvert des plantes autochtones, dont une plante qui s'appelle Cosco, qui contenait de l'eau pour manger et pour s'hydrater. On a ici les restes d'un village très primitif, vieux de 3000 ans. Ces premiers habitants construisaient des maisons comme des caves. Fuerteventura possède deux catégories de plages. On a la plage volcanique, au sable noir et gris, et la plage organique, au sable blanc. On rencontre un phénomène particulier avec des dunes fossilisées sur la partie la plus ancienne de l'île qui a 22 millions d'années. Sur l'île, les plages de la côte est et de la côte ouest sont totalement différentes. La côte est, c'est la côte protégée, alors que la côte ouest est la côte sous le vent. Elle est impraticable à cause des vents et des courants qui sont très très dangereux, comme la plage de Cofete. Fin juillet, nous avons la finale du championnat du monde de windsurf et de kitesurf sur l'île de Fuerteventura. Fuerteventura est battu par les vents, quand Lanzarote est fracassé par ses volcans. Deux Far West entaillés de canyons, on y trouve des oasis escarpées, une chapelle funambule et même une église mexicaine à Fuerteventura. Pueblos du bout du monde et marina chic de lune, opposés aux cités artificielles née de la frénésie immobilière de l'autre. Fuerteventura se revendique sportive quand Lanzarote s'affiche artiste et fantaisiste avec les bains du roi. Ou mieux, cette incroyable demeure, aussi fantasque que celle de Dali à Cadaqués, achetée à l'apogée de sa gloire cinématographique par Omar Sharif le matin, perdue au bridge le soir même. Omar n'y aura même pas dormi une nuit. Franchement, c'est du gâchis. Oh, c'est dommage, ça.
C'est dommage, hein. Au bridge, il a oui, perdu ça. Oui, comme quoi le jeu, arrêter le jeu. Oui, c'est, voilà. Il est arrêté d'ailleurs. Oui. Alors, pour y aller, je vous conseille de prendre la compagnie Vueling. C'est la première compagnie aérienne entre la France et l'Espagne qui dessert Fuerteventura. Et en matière d'hôtel club, Jet Tour, qui est toujours excellent en hôtel club, possède 24 hôtels dans les Canaries, dont 2 hôtels club à Fuerteventura. Merci beaucoup, Marie-Dominique, madame, monsieur. La météo matin avec Nathalie Rouet. Des nouvelles de la canicule? Elle se balade.